Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comment ça va? Il est pas bien l'épisode d'une vidéo, on va faire l'avant-match Barcelone versus Atlético qui va se faire jouer le samedi, c'est parti. Alors Barça affronte Atlético pour le jour de la 8ème journée de la Liga. Barça qui n'est pas en confiance après une défaite catastrophique face à Benfica. D'ailleurs j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc voilà, Barça a affronté Atlético qui s'est vraiment bien tiré face à Milan. Parce que on va rapide et répéter, ils ont gagné 2-1 à la 97ème minute alors qu'ils étaient menés 1-0 pendant le match. Mais Milan a eu un carton rouge assez tôt dans le match. Voilà, on va faire l'avant-match. Je vais vous montrer mon classement que je veux. Que voilà, c'est la seule différence face à Benfica, Coman il sera pas là. Donc j'espère que les joueurs vont se libérer de la pression qu'ils ont. Donc Coman ne sera pas sur le banc vu qu'il est suspendu de 2 matchs parce qu'il a copié d'un carton rouge face à Cadiz. Le rappelons, après c'est son adjoint, je sais pas comment il s'appelle, Alberto Schroeder, je sais pas comment il s'appelle, désolé. Donc voilà, donc pour le classement, je vous mets juste à l'écran. Donc je veux voir un 4-3-3 avec Ter Stegen au cage. Voilà, je veux voir Ter Stegen au cage. Voilà, ça c'est le poste auquel il n'y a pas de débat. Ter Stegen il sera là, donc s'il n'est pas blessé malheureusement. Donc voilà, et pour la charnière centrale, on va jouer dans la réalisme. Donc Piqué avec Araujo, on sait tous que Eric Garcia il va pas jouer. Donc voilà, je pense que normalement Coman il va aligner ça. Piqué, Araujo en défense centrale, et pour les latéraux je mettrai les latéraux inversés. J'espère qu'il va nous mettre ça parce que lui il a l'habitude de mettre 5 défenseurs comme Benfica, il a perdu 3-0. J'espère qu'il va mettre les latéraux inversés. On va jouer à 4 derrière. Donc à gauche je mettrai Sergio Dest et Mingueza qui a été excellent face à Deventer, d'ailleurs qui n'a pas débuté face à Benfica, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà, et pour les milieux centraux on va mettre Sergio Busquets en 6 et Pedri et Frankie de Jong. Voilà, Frankie de Jong, je suis pas sûr les gars, je suis pas sûr. Dites-moi ça dans les commentaires, est-ce qu'il va jouer ou pas. Donc pour moi, je pense que la suspension c'était d'un seul match. J'ai fait des recherches mais j'ai pas retrouvé. Donc voilà, je pense que si il n'est pas suspendu, il va débuter. Sauf si il est suspendu, ça sera Gavi qui va débuter. Voilà, Gavi qui a été très bon, qui a été d'ailleurs sélectionné avec la Roja alors qu'il a juste 17 ans. Et s'il joue titulaire, il sera le plus jeune joueur à être titulaire avec la Roja. Donc voilà. Et pour les attaquants, je mets des ailiers Coutinho et Depay. J'espère voir Depay avec son bon niveau parce que Benfica c'était pas trop ça. Donc voilà, je mets Coutinho même s'il n'est pas à 100% comme l'a dit Coman dans sa conférence de presse. Il n'est pas à 100%, c'est vrai, mais je veux mettre Coutinho et Ansu Fati titulaire. Je veux voir Ansu Fati titulaire même si peut-être Coman il va pas prendre de risque. Il va faire jouer Luc De Jong qui s'est même pas marqué des tapines. Donc voilà, il faut pas choisir une minute fixe pour faire entrer Ansu Fati. Comme par exemple Benfica, on sait tous que Coman il avait choisi juste, même s'il y avait 50-0 pour Benfica, il a juste choisi que Ansu Fati rentrera à 68e minute. Donc ça, je veux qu'il réagisse à l'augure du match. Peut-être que Atletico va aller frapper 2-0 à la mi-temps. J'espère qu'il va faire entrer Ansu Fati à la 45e minute. Voilà, c'est ça. Mais sinon, ils vont se faire éclater quand même. Donc voilà, défensivement parlant, avec cette équipe, normal, c'est bien. Et Coman, il est sur les tribunes, tout va bien. Il y a son adjoint, je pense que Barça peut s'imposer avec cette équipe-là. Donc voilà, voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Avant match, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu. S'il t'a plu, on saute t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!